Bonjour mon colonel, parce que je rappelle Caroline Galactéros est colonel, et oui, dans la réserve opérationnelle des armées. Qu'est-ce que ça traduit, Caroline Galactéros? Ça traduit la montée d'une grande inquiétude aux États-Unis devant l'évolution du cours de la guerre. Who wants a third world war? Would anyone risk? Qui veut la Troisième Guerre mondiale? Quelqu'un accepterait-il de prendre ce risque? Les États-Unis n'abandonneront jamais les États membres de l'OTAN si cela se produit de telle sorte que l'Ukraine perd en raison d'opinions divergentes et d'un déclin de l'aide qu'elle reçoit. La Russie va envahir les pays baltes membres de l'OTAN et à ce moment-là, les États-Unis devront envoyer leurs fils et leurs filles exactement de la même manière que nous envoyons nos fils et nos filles à la guerre, et ils devront se battre. Exactly the same way as we are sending their sons and daughters to war, and they will have to fight. On sait là le refus américain, tout simplement, de mettre des Américains officiellement sur le terrain. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas officieusement. Il y a beaucoup de Polonais sous uniforme ukrainien. Il y en a beaucoup qui attendent en Pologne et qui d'ailleurs sont mobilisés. Donc moi, ce que je crains, et je trouve que cette période est extrêmement dangereuse, c'est la période du désespoir. C'est la période où on arrive maintenant au moment où le poteau rose va se briser, va se voir, et où on va comprendre qu'on a raconté n'importe quoi depuis un an aux opinions occidentales. Le narratif, vous voulez dire. La guerre des perceptions, la guerre des perceptions, elle arrive à ses limites. Les responsables militaires, les responsables de l'OTAN, les responsables européens, tout le monde, tous les gens informés aux affaires savent bien que l'Ouest n'a tout simplement pas les moyens en armement. Je vous ai épargné, mais j'ai des quantités de photos, mais vous savez, les militaires ukrainiens, quand ils ont ouvert les missiles, les boîtes de missiles britanniques qui auraient été envoyées, ils ont vu que c'était des missiles dont la date de péremption était dépassée. Donc c'est des matériels qu'on allait jeter. Mais alors justement, quand vous dites que l'Ouest n'a plus les moyens, non. Concrètement, en quoi expliquez-nous en quoi. Mais parce qu'ils peuvent fabriquer des armes, etc. On ne peut pas fabriquer au rythme où il le faudrait pour pouvoir renverser la vapeur militaire. Les Ukrainiens n'ont plus grand-chose, à vrai dire. Ils vivent donc sous perfusion militaire, et économique d'ailleurs aussi. Mais de toute façon, il est clair, il est avéré, il est dit maintenant d'une manière assez ouverte. Jens Stoltenberg de l'OTAN l'a dit il y a quelques jours. Le secrétaire général de l'OTAN a dit, mais de toute façon, on n'a pas les munitions, déjà. Hein, ni les munitions, ni les obus, par rapport au rythme imposé, si vous voulez, au tempo de la guerre imposé par l'armée russe désormais, l'Ukraine ne peut pas rattraper et encore moins renverser, sauf à engager, je ne sais pas, moi, des forces occidentales, ça pourra d'ailleurs. Sauf parce à engager les forces de l'OTAN humainement. Oui, voilà. Ouais. Mais donc, on n'est pas sincère avec eux, en réalité. Ça, c'est aussi quelque chose, qu'on soit pour, qu'on soit contre, c'est pas le problème. On n'est pas sincère avec les Ukrainiens. Et d'ailleurs, c'est ce que Volodymyr Zelensky a dit dans cette interview du CNN que j'ai présentée au tout début de mon exposé, où il disait « En fait, on nous a promis d'entrer dans l'OTAN, mais en fait, ça ne se fera pas. » Et le truc, c'est qu'on leur a dit « Allez-y, provoquez les Russes, vous allez voir, on va leur appliquer tellement de sanctions qu'en 3 jours, le problème va être réglé. » Exactement ce que disait Bruno Le Maire. Les pays de l'OTAN sont d'accord pour que l'Ukraine devienne membre de l'Alliance. Mais en même temps, il s'agit d'une perspective de long terme. La priorité actuelle est de faire en sorte que l'Ukraine prévale en tant que nation indépendante et souveraine. Et pour cela, nous devons soutenir l'Ukraine. Parce qu'on a considéré, vous savez, moi je viens du renseignement, la pire faute que vous puissiez faire dans un conflit, quel qu'il soit, que ce soit un conflit personnel, un conflit militaire, c'est de sous-évaluer votre adversaire, de penser qu'il est moins bon que vous. C'est la pire faute que vous puissiez faire. Or, c'est exactement ce que nous ont dit les médias. Ils ont dit, non, vous inquiétez pas, les Russes ont déjà perdu, ils sont mauvais, ils sont bêtes, ils sont malades, ils ont le cancer, ils ont Parkinson, ils ont ceci. Résultat des courses, les Ukrainiens avaient toutes les raisons
de se dire, bon, allons-y, hardi petit, ça va durer, c'est un mauvais moment à passer, mais après, il n'y aura plus de Russie, on n'aura plus de problème, et puis on sera dans l'OTAN. Et ce n'est pas du tout ce qui se passe. Donc on n'a pas du tout été honnête, et nos médias ont un comportement criminel, parce qu'ils ont sans cesse tout fait pour conduire à sous-évaluer l'adversaire et à penser artificiellement qu'on allait gagner. Et que, si vous voulez, structurellement, il y a une disproportion telle entre la force de l'armée russe aujourd'hui, et qui, d'ailleurs, cette guerre et la manière dont on l'a escaladée en fournissant l'Ukraine, etc., aura contribué, eh bien, finalement, à faire renaître et à faire se restructurer cette armée russe. Donc, il y a oui, maintenant. Qui n'était pas au point, mais en non. fait. Donc, il ouais. y a une, c'est fou. Enfin bon. Mais, voilà, c'est encore ouais. un des effets collatéraux Caroline, très lourds de cet engagement. De cet engagement. Il ne faut pas imaginer que les républicains, comme les démocrates, soient plus amènes envers les Russes. En revanche, le jeu politicien pourrait amener une réflexion, puis se dire, bon, comme les républicains, par exemple, ont demandé qu'il y ait une vérification des dépenses et des matériels qu'on envoie en Ukraine, parce qu'en réalité, les Américains envoyaient pour des milliards de dollars de matériel, et ils ne savent pas ce qui s'est passé avec ce matériel. Ils ne savent même pas s'il est en Ukraine. Mais deux fois encore, pensez-vous que le Congrès doit fournir de l'aide ? Maintenant, pour la première fois, les législateurs américains, républicains et démocrates posent des questions précises au gouvernement Biden. Ils veulent s'assurer que l'argent et les armes ne sont pas dilapidés ou pire, ne tombent pas dans des mains criminelles. Et ils souhaitent de la transparence pour montrer le niveau de l'aide américaine. À l'heure où je vous parle, les Ukrainiens s'entraînent dans de multiples endroits en Europe, travaillant avec des membres de notre service et des formateurs militaires de nos alliés et partenaires. Le Congrès a indiqué que le feu vert pour les dépenses pourrait être plus difficile. Le prix à payer est déjà élevé et les combats sur le terrain ne montrent aucun signe d'apaisement. Il y a là effectivement un problème et les républicains sont là pour mettre le doigt un peu là-dessus. Donc il se pourrait que cette rationalité amène une fin plus rapide du conflit, mais où on commence à se dire, ok, on a poussé à la roue, et maintenant qu'est-ce qu'on fait ? Et c'est là que c'est dangereux, parce que les Américains ont des enjeux politiques internes, et notamment les néoconservateurs, et que on ne peut pas, enfin, est clair qu'ils veulent faire durer. Oui, alors on va sérier ça, mais c'est intéressant. Voilà. En fait, ce que vous dites, c'est que on a vécu, en tout cas dans le narratif médiatique, politique, etc., dans une perception de la réalité, un mensonge qui remplaçait le réel. Quoi. Absolument. Moi-même, je suis sidéré par ce manque de déontologie déjà des médias. Ça commence par là, tout simplement. Les médias ne respectent pas la fameuse charte de Munich qui impose qu'on compare les sources, qu'on prenne plusieurs sources pour donner une information, qu'on essaye d'équilibrer les choses. Là, on est dans... Et j'ai voulu l'évoquer d'ailleurs, parce que quand on parle des pertes, pour prendre cet exemple, on pourrait imaginer que nos médias prennent les chiffres de l'opposition russe. Bah non. Ils font même pas confiance à l'opposition russe. Vous comprenez ? Donc ça veut dire qu'on est dans une démarche de propagande. Et ils reprennent d'ailleurs systématiquement les informations qu'il y a, c'est la propagande ukrainienne. C'est même pas ce qu'il y a dans la presse ukrainienne. Parce que vous avez vu que la presse ukrainienne donne des informations, par exemple, sur l'assassinat de Kireyev, etc. C'est dans la presse ukrainienne. Mais nos médias ne le disent pas parce que ça nuirait au narratif qu'eux-mêmes ont développé depuis une année. Et donc, ils ne mentionnent que ce qui sort du bureau de Zelensky, enfin, de cette propagande-là. Et là, il y a quelque chose d'extrêmement dérangeant parce qu'on le sait. Ça. Absolument, mais ça c'est le propre des impuissants, hein. Ils vivent dans les fantasmes. Donc au lieu de considérer la réalité, de se dire qu'on est allé trop loin, que maintenant que la Russie s'est engagée et qu'elle ne peut elle-même plus faire autre chose que d'avancer,
Il faudrait revenir, c'est ce que j'essaie de prôner, mais je prêche dans le désert. Mais enfin, je prêche dans le désert, mais il y a quand même eu 50 000 Allemands, ça on n'en entend pas parler dans les médias français, mainstream. Il y a quand même eu 50 000 Allemands à Munich il y a quelques jours. Oui. Enfin, il y a un certain nombre de gens. Oui. Et d'ailleurs, le peuple ukrainien mériterait peut-être qu'on lui demande un peu son avis. Parce que quand on voit l'enrôlement de force, parce qu'il y a un gros problème de ressources humaines dans l'armée ukrainienne, là. Bien sûr. Très gros. Considérable. Surtout que maintenant, la mobilisation partielle décrétée par les Russes, qui est en train de s'étendre par ailleurs, donc eux se mettent vraiment dans une projection longue maintenant, parce qu'ils ont compris que l'Occident ne va pas être capable d'arrêter l'escalade. Oui. C'est terriblement cynique. C'est-à-dire que nous sommes, pour moi, et c'est ça qui est très grave, dans un renversement moral majeur par rapport aux principes que nous prétendons défendre. C'est-à-dire qu'en fait, comme on veut faire durer la guerre en Occident, bon, les Américains, mais évidemment tous les autres qui rentrent derrière, c'est-à-dire nous, les Européens, eh bien, on continue à perpétuer cette espèce de narratif complètement délirant, en dépit de tout, parce qu'en fait, il n'est quand même pas très compliqué, on n'a pas besoin d'être très secret diamant pour savoir aujourd'hui ce qui se passe sur le terrain militaire. Or, il se passe exactement l'inverse de ce qu'on raconte au peuple français et à d'autres. Mais au peuple français, singulièrement, quand même. Là, on est particulièrement... on a un lavage de cerveau, quand même, extrêmement bien organisé. Donc, on est de plus en plus pris dans une espèce de bulle dont on ne peut pas sortir. Moi, ça me fait penser à la vieille série Le Prisonnier, vous savez, avec ce truc à la fin, sur la plage, on regardait, là, quand j'étais adolescente, moi, ça m'angoissait complètement. On ne peut pas en sortir, on ne peut pas sortir de cette île, de cet endroit où on est soi-disant tellement heureux. Donc, on est là-dedans, et évidemment, plus ça dure, plus on refuse, à la fois par hubris, par peur de se faire découvrir, pour tout un tas de raisons. Je ne parle même pas des enjeux pour les néoconservateurs américains qui sont extrêmement lourds, qui sont vitaux pour eux. Eh bien, plus ça continue, moins on est capable de faire un petit pas pour dire « Bon, alors, en fait, peut-être qu'on est allé un peu trop loin, an inch too far, oui, ça c'est sûr, c'est plus d'une inch. » Et qu'il faut revenir rapidement, faire redescendre la tension, revenir, recréer les conditions d'une sécurité européenne qu'on a allègrement pétardé, les Américains et les Européens, quand même, depuis 30 ans, hein, parce que la dénonciation des traités, tout ça, c'est quand même pas venu de Moscou. Bon. Les Allemands allaient certainement entamer, peut-être pas un rapprochement, mais au moins un processus de dialogue avec les Russes. Et ça, personne n'en voulait. Donc, on voit qu'on est dans un système mafieux où vous faites ce que je dis et si vous le faites pas, eh bien, on vous pénalise vous-même. C'est d'ailleurs la même chose que contre la Hongrie. Vous voulez pas prendre des sanctions contre la Russie, donc on vous coupe vos subventions, etc. Je veux dire, on est dans un système où on n'est plus du tout dans un mécanisme d'état de droit. On est d'ailleurs dans ce que les Américains appellent un ordre international basé sur des règles et non plus un ordre international basé sur le droit. Et ça, c'est une évolution d'ailleurs que très peu de gens comprennent parce que en français, le droit international basé sur des règles, les gens comprennent pas. Mais quand vous regardez les médias anglo-saxons, la différence entre un ordre international basé sur le droit et celui qui est basé sur des règles est extrêmement différente. Et depuis très longtemps, les gens qui s'occupent de relations internationales ont mis en garde contre ce passage qu'on avait. Parce que l'ordre international qu'on a depuis 1945, avec la création des Nations Unies, etc., c'est l'ordre international basé sur le droit et le droit international. Mais à partir du moment où vous commencez à établir des règles, c'est-à-dire que ce n'est pas le droit qui prime, mais c'est les règles que vous établissez, c'est pour ça que quand on propose un tribunal de crimes de guerre contre les Russes, mais pas contre les Américains. On le propose, n'est-ce pas, ça veut dire qu'on n'est plus dans le droit, on est dans les règles. C'est ma règle qui compte et ce n'est pas le droit.
si l'Occident, parce que vous pouvez pas écarter, personne ne souhaite cela, met en garde la Russie en disant attention, ligne rouge. Vous avez vu, par exemple, parlons des lignes rouges. Non, mais, oui, ça oui, vous fait ça, rire. Ça fait vraiment rire. Non, oui. Et par, vous savez, la ligne rouge, c'était justement l'OTAN qui dit, si la Chine envoie des armes à la Russie, eh ben, c'est une ligne rouge. Ah oui, ça vous fait rire. Ça fait peur à Pékin, ça. C'est comme quand notre président dit, il ne s'agit pas d'abattre la Russie. Bah ouais, c'est sûr, parce que comment... Il s'agit de vaincre la Russie sans l'écraser. Sans l'écraser, abattre, oui, écraser, ouais. Écraser. Mais comment diable peut-on envisager d'écraser la Russie ou de contraindre la Chine? Nous sommes dans une... c'est aussi ce que j'essaie d'expliquer de toutes mes modestes forces. On est dans un bouleversement géopolitique majeur. Cette guerre en est l'un des théâtres. Mais la réalité internationale est en train de complètement changer. Et on a l'impression qu'en Occident... on est une bande d'autruches, la tête dans le sable, et on veut absolument croire que l'impérialisme américain, l'impérialisme occidental va pouvoir continuer, que l'hégémonie va pouvoir se renforcer, et que s'il faut pour ça mener la politique du pire, ben on va le faire. Ça ne marchera pas, c'est-à-dire ça va juste devenir de plus en plus dangereux, de plus en plus, alors pour les Européens, n'en parlons pas, c'est la déréliction, c'est la crise. Voilà, ben parce que nous vivons dans un manichéisme complètement indigent qui nous permet d'être autiste, d'être clivé mentalement. Nous sommes dans une perpétuelle, moi j'appelle ça la dissonance cognitive vis-à-vis du réel, vis-à-vis du souhaitable. On ne veut pas voir ce qui nous dérange, quoi. On ne veut pas voir ce qui nous dérange, on ne veut pas voir ce qui nous remet en cause, on ne veut pas voir ce qui exigerait de nous un commencement de début de raisonnement propre, parce qu'en fait le problème des Européens, mis à part deux ou trois, c'est effectivement qu'ils n'ont plus de capacité, ni même de volonté de se dire, bon, nous, on est en Europe, là, on est l'isthme de l'Eurasie. Okay. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on veut être? Quel est notre avenir? Est-ce qu'on veut se couper non seulement de la Russie, mais de toute l'Eurasie? Est-ce qu'on veut être en... Quel est notre rôle? Donc, on préfère la servitude et, en l'espèce, l'alignement. Et donc, on préfère l'obéissance, finalement. Alors, c'est vrai, c'est simple. Mais en même temps, on veut pas se battre. Sauf si le chef fait des âneries. Ouais. Parce que c'est quand même ça le sujet. C'est pas l'Amérique qui va payer tout ça. Et ça n'est déjà pas l'Amérique qui paye économiquement. Bah, l'Amérique qui gagne en ce moment. Voilà. Le cornerstone de la géopolitique anglo-saxonne, c'est évidemment séparer l'Europe de la Russie et surtout séparer la Russie de l'Allemagne. Bon, bah là, Nord Stream 1 et 2, voilà, ça a été. Il a fallu à un moment donné, j'allais dire, prendre le taureau par les cornes et le faire carrément, puisque les Allemands regimbaient encore et ne voulaient pas se plier tout à fait à la discipline européenne et otanienne qu'on leur a mis sous le nez. Donc, là aussi, cette idée américaine, bon, ça s'est fait pour l'instant. On peut dire que l'Allemagne et la Russie sont durablement en divergence, que l'économie allemande et l'industrie allemande sont évidemment des victimes centrales, et que c'est effectivement un acte, on peut le dire, un acte d'agression, et je ne sais pas si on peut dire un acte de guerre, mais en tout cas c'est une attaque délibérée d'un membre de l'OTAN avec l'aide d'un autre sur un troisième. C'est quand même intéressant sur l'état de l'Alliance. Voilà, on peut peut-être se poser quelques questions. Oui. Et je voudrais qu'on s'appesantisse un peu là-dessus, en tout cas, ce énorme bouleversement géopolitique mondial. En quoi consiste-t-il concrètement? Qu'est-ce qui est en train d'être bouleversé ou de se bouleverser? Alors, d'abord, il n'est pas né le 24 février, mais la guerre en Ukraine et la manière dont l'ensemble du monde réagit à ce conflit lui donne une accélération à ce bouleversement considérable. Le bouleversement, pour faire simple, c'est simplement que l'hégémonie occidentale, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit politique, qu'elle soit économique, qu'elle soit financière, qu'elle soit de toute nature, n'est plus ni souhaitée, ni supportable pour le reste du monde, qui a émergé depuis déjà une bonne vingtaine d'années, autour de la Chine
aussi autour d'une puissance renaissante comme la Russie, et c'est ce qui explique une grande partie de la hargne aussi à l'abattre. Et donc, il y a une bascule du monde au sens où il y a désormais une alternative. En termes de modèle de puissance, on peut appeler ça des dictatures, des démocratures, des démocraties souveraines. Ce que je veux dire, c'est cette conception de l'Occident, ou de dire l'Occident, vous voulez tout régner et c'est fini. C'est fini. C'est fini parce que non pas parce qu'on a tort ou raison. Oui. C'est juste fini. Alors fini pourquoi ? Parce que les autres n'en veulent plus. Les leçons. Le régime change, l'ingérence intérieure permanente sous couvert de promouvoir la démocratie, etc. etc. Irak, Libye, on a vu tout ça, à quoi oui. ça a mené. Que des désastres. Donc, il faut quand même pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Oui, exactement, c'est l'expression qui me vient. Non, mais je veux dire, il y a des dizaines de pays, et on le voit très bien sur l'affaire ukrainienne, au niveau des sanctions, au niveau des réactions et au niveau des réalignements, même si c'est pas de l'alignement, mais en tout cas, il y a tout un tas de pays qui maintenant se disent bon. Il y a quelque chose face à l'Empire américain et à son appendice européen, si vous voulez, à ce qu'on appelle l'Occident. Il y a autre chose qui va aussi offrir d'autres opportunités. Et la Chine est évidemment la championne de cela. Donc c'est pas le narratif, encore une fois, sur la démocratie, les droits de l'homme. En fait, c'est pas du tout le sujet. Le combat, il est économique et financier. Il est pour abattre le dollar comme monnaie d'échange internationale dominante. Oui, j'allais dire que un des enjeux majeurs, c'est celui-là. C'est celui-là qui est derrière tout. Ouais. C'est-à-dire que le dollar avait la prééminence totale, les transactions ne pouvaient se faire qu'en dollars, et ça, c'est en train de se terminer. Et c'est ce qui permettait aussi l'extraterritorialité du droit américain. Tout bien ça sûr. Est en train d'être battu en brèche de manière très méthodique et de plus en plus consolidée autour d'un autre pôle, d'un grand pôle, qui lui-même sera, enfin, où il y a des sous-régions, entre guillemets, et des alignements des pays, d'ailleurs parfois vers l'Occident, parfois vers ce pôle-là, selon les sujets, c'est-à-dire chacun va faire son marché. Chacun va être pragmatique un peu, voilà, c'est ça. C'est ce qu'on appelle la multipolarité du monde. Et donc, alors on le voit, on parle toujours des BRICS, mais vous avez aussi l'Organisation de coopération de Shanghai, vous avez les organisations eurasiennes économiques, dont en France, on a l'air d'ignorer jusqu'à l'existence. Oui. Mais c'est à nos portes. C'est quoi? Donc, alors, attendez, rappelez ce que c'est Shanghai et l'Organisation Eurasienne Économique. Ça comprend qui, combien de puissance aujourd'hui? L'organisation économique autour de la Russie, là, pour le coup, c'est une espèce de contre-UE, mais dans laquelle tous les autres viennent. Contre-Union Européenne. C'est-à-dire qu'il y a une structuration des marchés, une structuration des projets. Surtout, il y a un maillage d'infrastructures et de projets dans tous les sens de collaboration, de coopération, pas seulement militaire. Donc, ça peut aboutir, Caroline Galactos, à la création d'une monnaie rivale du dollar. Ah oui, à 10 ans, les BRICS sont en train d'imaginer déjà un panier de monnaie et c'est ce qu'on appelle la R+. Bon, il va y en avoir, il va y en avoir peut-être d'autres. Le yuan, si vous voyez les mouvements financiers, si vous voyez la manière dont tous ces pays rachètent de l'or à l'argamanu, à tout ce qu'ils peuvent, etc., ils essaient de se dégager au maximum de leur dépendance au dollar. De leur exposition les décisions, les oukases américains. Pardon de ce mot russe pour parler de l'Amérique, ça pour vous c'est parti et ça va se manifester dans les années qui viennent, dans les mois et les années qui viennent. Mais c'est déjà énorme, mais on n'en parle absolument pas ici. On n'en parle pas. Là, on découvre que la Chine et l'Iran ou que la Chine et la Russie. La Chine vient de conclure un accord énorme avec l'Iran. Oui, mais il y avait 400 milliards de dollars il y a déjà quelques années. Je veux dire, c'est tout ça ne fait que se poursuivre. Et l'Inde, et l'Égypte, il y a un certain nombre de pays qui sont aussi des puissances. Alors l'Inde, l'Inde n'est pas l'Égypte, mais si vous voulez, tout ça, ça va faire un gros agrégat de ceux qui ne supportent plus les leçons occidentales. Est-ce que SWIFT a joué un rôle, le blocage des avoirs américains par les Américains au moment des embargos, etc., des sanctions? Ils ont sorti la Russie de SWIFT et la Russie a fait son SWIFT à elle. Ouais. Voilà.
dont j'oublie toujours l'acronyme, mais qui marche très bien, merci. Je veux dire, c'est une question de volonté. Et c'est ça, pour moi, là encore, je ne porte pas de jugement. J'observe. C'est ça, pour moi, le sujet, c'est que Vladimir Poutine, en faisant ce qu'il a fait, il a pris des risques, ça lui coûte une fortune, c'est dangereux politiquement, c'est lourd stratégiquement sur le long terme, si la guerre dure, etc. Mais il a montré au monde entier qu'il était possible de résister. C'est juste le monde qui est différent, c'est fini. L'hégémonie américaine, elle est en berne. Ça ne veut pas dire que les États-Unis vont mourir, ça ne veut pas dire que l'OTAN va mourir, ça ne veut rien dire du tout. Ça veut dire qu'il va falloir composer avec les autres et concevoir que la guerre n'est pas la solution à toutes les blessures narcissiques. Et que quand on a les autres en face de soi, ben on peut aussi les laisser vivre éventuellement, essayer de trouver des équilibres avec eux. C'est valable pour la Russie, c'est valable pour la Chine, c'est valable pour l'Iran, c'est valable pour la Turquie, c'est valable pour... Donc c'est valable pour tous les grands acteurs régionaux et les petits derrière qui, eux, feront leur marché, à mon avis, entre ces deux grands pôles. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. On a cette guerre en Ukraine, elle a mis le turbo à ce mécanisme qui s'est amorcé il y a déjà une petite dizaine d'années, maintenant une dizaine d'années, mais qui maintenant va prendre des proportions de plus en plus fortes. Et nous sommes là juste comme appendices otaniens, américains, à prendre nos ordres et à dire ah oui, ah, la guerre, les bons, les méchants. Mais on est complètement, pour moi, on est à contre-temps de nos intérêts les plus évidents. Quant à la France, et je terminerai là-dessus, je ne vais pas évidemment imaginer ce qu'on peut faire, mais dans mes rêves les plus fous, oui, je pense, comme vous l'avez très, très justement dit en introduction, que la France a tout à fait les atouts, qu'elle s'en soit bien servie, qu'on ait fait semblant de discuter, qu'on ne discutait pas, que Minsk 2 était une mascarade, que bon, ok, on est là où on est. Et aujourd'hui, la France a, en Europe, et pour l'Europe, il ne suffit pas là encore de sauter sur sa chaise, l'Europe, si on veut faire quelque chose pour l'Europe dans l'état de déliquescence dans lequel elle est maintenant, hein, en dépit des grands blablas de nos responsables européens, eh bien la France peut prendre l'initiative et le courage d'une initiative de paix. Sinon, ça va continuer parce qu'à Washington, on a intérêt à ce que ça continue. Et à Moscou, on ne peut pas s'arrêter. On ne peut plus s'arrêter. Et ça ne se fera que sur la base d'une réalité qui va être très douloureuse pour le peuple ukrainien, à mon avis.